Alors, je suis Laurent Gras, le gérant de la société Jardin à Thème, créée il y a bientôt 20 ans. C'était d'ailleurs une des raisons pour participer à ce concours, hein, un peu de marquer l'anniversaire, les 20 ans de l'entreprise. Donc, nous sommes une entreprise basée dans l'agglomération nantaise, à La Chapelle-sur-Erdre, de 15 salariés et spécialisée dans la création de jardins de particuliers. Alors, cette année, le thème de la place du village nous plaisait bien. On l'a même un petit peu, je dirais, fait évoluer. On a dévié un petit peu vers l'esprit de quartier, hein. Donc on a choisi aussi un jardin d'eau, des bassins issus de la récupération des eaux pluviales de la ville, donc des bâtiments voisins, donc avec une phytoépuration, et joindre l'utile à l'agréable, hein, et la possibilité de mettre un petit ponton, une scène qui animerait notre place du village ou notre place de quartier. Nous sommes arrivés vendredi matin pour attaquer sérieusement vendredi 13h et finir à 20h. Tous les soirs, effectivement, on n'avait pas trop le droit de déborder, donc 20h. On avait une grosse logistique, hein. On a fait descendre deux semi-remorques de Nantes, une semi de plantes, une semi de matériaux, et on avait quatre semis de matériaux en local ici en 0,20 en fond de forme. Donc chacun savait ce qu'il avait à faire, hein. Dans l'équipe, on était quatre et un apprenti. Donc trois salariés, le chef d'entreprise et un apprenti. Nous sommes à l'entrée de notre jardin et c'est marrant, dès qu'on a commencé le plan, instinctivement, j'ai installé trois paires d'arches, une à l'entrée, une à la fin, une au milieu. Et tout de suite, je me suis dit, mais évidemment, ce sont des portes, donc une porte d'accueil, une porte d'entrée au jardin qui nous amène sur la partie intime du projet, donc un petit parcours découverte, hein, d'inspiration contemporaine et colonisé par une végétation généreuse. Et cette petite allée dessert des petites alcôves où on peut se restaurer, on peut prendre un verre, on peut contempler dans une atmosphère assez intimiste. Donc on va retrouver justement des fougères, hein. Je voulais vraiment associer de la végétation quasi sauvage avec des éléments très monolithiques. Donc on va retrouver du béton, de la pierre, des structures métal et une grosse densité végétale pour un bel impact visuel apporter de la fraîcheur, hein. Bien évidemment, en ville, il faut planter, hein, vraiment. Donc, sur les essences, je suis de la région nantaise. On a un long passé botanique, historique botanique, hein, donc on va retrouver des essences méditerranéennes, les trachis, les chênes verts, les pittosporum, les arbousiers. Et en plus, effectivement, nous sommes en décembre, donc j'ai fait le choix à plusieurs titres de partir sur ces variétés-là pour avoir de la feuille. Et un bel impact. On a des formiums, hein, on va retrouver des contrastes de formes et de couleurs. Donc là, nous voilà, on arrive à la deuxième porte symbolique qui nous amène sur la place du village, la place de quartier, hein, et toutes les assises disponibles. Et en fait, les gens s'approprient, hein, les chaises ont un peu bougé et les gens se sont accaparés tout au long de la journée le stand. Et effectivement, la place centrale occupée par le ponton avec la musique. Donc on a nos deux bassins, un bassin qui est un peu plus bas que l'autre, qui accueille, enfin ils font vase communicant avec une trame végétale pour la phytoépuration, hein, essentiellement des joncs, des typhas. On a là encore un parallèle avec la végétation sauvage de marécage et de la production horticole. Ornemental. On est sur des essences de bois locales, hein. Je qualifierais ce jardin également de,
de guinguette chic. On a accentué ce côté chic par l'utilisation du noir. On retrouve également quelques sculptures. Hein. Alors on a des perspectives hein, à l'entrée comme à la sortie. Les enfants jouaient avec les petits voiliers de fabrication bretonne, bien évidemment artisanale. Et on retrouve, c'est à la fois très dense, mais on a une certaine sobriété, une grande technicité et une grande poésie, je l'espère. Enfin, moi, c'est ce que j'ai voulu faire passer. Et puis, bon, là, a priori, les visiteurs sont réceptifs. Je suis allé aussi dans cette aventure parce que je savais que j'avais une équipe de rêve. Et de gens expérimentés et passionnés, donc voilà, c'était un réel confort et une réelle assurance.